Suite des installations de base de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale UDIS, les cellules UDIS Château de derrière l'école normale supérieure et la Concorde UDISoise de Nzion viennent d'être installées par le directoire de cette formation politique. Les temps forts de ces installations avec Gervais Fabrice Oduga, Francis Mangolo. L'exécution de cette hymne de la jeunesse consciente pour la paix a été l'un des temps forts de cette cérémonie d'installation de la cellule UDIS derrière l'école normale supérieure. Une cérémonie marquée par trois allocutions. Après plusieurs mois de dur labeur et d'acharnement au travail, nous avons concrétisé ce qui était hier un projet, c'est-à-dire avoir une cellule dans notre circonscription. La jeunesse consciente pour la paix est ce mouvement qui milite pour l'insertion des jeunes et pour le maintien de la paix dans le deuxième arrondissement de Libreville. La fusion ne peut que bien se passer dans le sens que c'est des jeunes que l'on côtoie au quotidien et on sensibilise dans le sens d'éviter des actes de vandalisme et autres. Donc c'est normal que quand on se retrouve au grand jour, que l'on répète les mêmes mots. Comme on dit, la répétition est pédagogique. C'est aussi pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience de tous les maux, les dangers qui nous guettent ci et là. Dans la foulée, la cellule, la Concorde Udoise de Zengayong, dans le deuxième arrondissement Libreville, a été aussi installée. Madame Lei Cynthia Amorini, secrétaire permanent, chef de délégation de l'UDIS, a officiellement installé Amorine Avomo Abba comme présidente de la dite cellule avant d'envoyer à l'exercice de ses fonctions.